Oh. Salut à tous les amis, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Forza Motorsport. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Bon, on se retrouve sur le circuit de Mugello pour notre deuxième course. Changer chaque aide à la conduite une par une est le meilleur moyen de comprendre son impact sur le contrôle de la voiture. Donc, pour l'instant, utilise tes tours d'entraînement pour repousser les. Bon, on passe aux essais. Afin d'atteindre ce point. Donc, si vous vous rappelez, dernier coup, on a amélioré un petit peu la voiture, ses performances. On va voir ce que ça donne. Pendant les essais, tu traverseras plusieurs segments sur la piste qui seront essentiels pour tes temps autour. Ton temps à mesurer entre ces segments clés, et en améliorant ce temps, tu recevras un bonus de progression de voiture. Ok. On doit faire combien? Une treize. Sachant que le dernier coup on avait augmenté à au niveau 3 la difficulté. On va voir ce que ça donne. Qui nous permet d'évaluer tes performances globales. Nous allons chronométrer tes temps à chaque segment clé, comme celui que tu viens de terminer, pour analyser ce que tu peux améliorer dans ta conduite. Essaie de trouver tes repères de freinage, quand accélérer, et trouve la trajectoire idéale pour gagner de précieuses secondes sur ton temps tour. On a 3 secondes d'avance, c'est pas énorme. Bon, allez, passe à la course. On passe à la petite course.
On n'a pas de finalité, on n'a rien dedans, tout ça c'est cool. Alors faut qu'on en fasse autant pour la course. Donc je vois si on pourrait pas augmenter un peu le nombre de tours sur une course. Quatrième, faudrait qu'on arrive à remplir un peu là. Dans les premiers. Je suis con, parce que c'est faisable. Ça va faire comme le dernier coup, on va pas arriver à rattraper le premier. Encore une fois, on va pas être premier. Ouais, on va rester encore deuxième.
deuxième encore. C'est pas possible ça. Beau travail. Nous avons terminé P2. Oh, on passe en tête avec 50 points. Sur les trois cours. Au fur et à mesure que notre voiture monte en niveau, on débloque de nouvelles pièces qu'on peut utiliser pour améliorer les performances de notre véhicule. Parfait. On vient de débloquer de nouvelles pièces pour la voiture. Il ne reste plus qu'une épreuve à disputer dans la série. Allons-y. Comment j'ai fait l'amélioration rapide? La 673. Ouh, ça nous fait monter à 594. On est quasiment au max de la limite. Hein. La limite, c'est 600. Donc, on est pas mal. On dirait que la voiture est prête. Rendons-nous à qui elle a mis. Qui a la mine. Ça va être un grand circuit parce qu'il n'y a que 3 tours. Là, il faudrait qu'on remonte un petit peu. Là, ce qu'on va faire, c'est que. Qui a la mine. Un grand petit circuit. Ce que je jouerai, moi, c'est. L'épreuve. Ok. Je pense que ça change. Je sais pas si on peut changer la taille des. Avoir plus de tours quoi, ce jeu là. J'arrive pas à trouver. Je peux le garder sur internet, je crois. Allez, en route pour les essais. 3 tours d'essai, 3 tours de course. On va faire 2 minutes 16. Taper.
vitesse qu'on veut faire. On doit d'abord aussi. D'ailleurs, je ne vais pas freiner ici. Avant chaque course, tu peux choisir ta position de départ. Si tu franchis la ligne d'arrivée en première, deuxième ou troisième position, tu recevras un bonus de podium.
La valeur du bonus de podium dépend de ta position de départ et de tes paramètres de difficulté. Plus tu te mets au défi, plus le bonus de podium pourrait être important. Vas-y, mais comme ça, hein, le 10ème, t'en sais rien. Gagne celle-là pour qu'on fasse notre première pole position. Il y a moyen, on va gratter un maximum de place. Les autres ils sont juste là. Il suffit qu'on soit un petit peu plus rapide en pièce de pointe et dans les lignes droites. On va les rattraper. La première place.
à Dallas. Là, on a gagné notre coupe dans la logique. Team ORS. Et c'est bif. Ok. Félicitations. On vient de trophée d'or. Notre premier trophée de la Builders Cup. Plutôt pas mal pour commencer notre collection. Bah ouais, quand même. Chaque tour du championnat des constructeurs comporte plusieurs séries de groupes de voitures. Chacune représente un défi unique dans lequel 911. Tu devras surpasser tes adversaires au garage comme au circuit. En terminant les tours, tu débloques des récompenses uniques. Reviens jeter un œil de temps en temps, de nouveaux tours avec de nouvelles récompenses sont régulièrement ajoutés. Oh, on est loin. Non, on n'est qu'à là. Non, même pas. Ah, j'aurais pas dû faire ça, donc c'est pas grave. Non, on a fait le premier en fait. Tour moderne, donc on vient de faire. Je comprends rien, donc. C'est quoi qu'on vient de faire? Ah si, c'est ça qu'on vient de faire. Bon bah sur ce les amis, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de s'abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao tout le monde.